Trouve une position confortable, soit assis, soit couché. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses derrière les cuisses, genoux, mollets, tibias, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue. Observe. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des quatre phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux suspensions est plus longue ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore trois respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle et crée une respiration qui aille la même longueur dans l'inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Longue, lente, calme, même longueur, inspiration et expiration. Garde les pauses légèrement plus longues que d'habitude, mais sans forcer. S'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Rappelle-toi que ceci n'est pas un challenge, n'est pas un défi. Tu es tout simplement en train de jouer avec ta respiration. Crée une respiration longue, lente et calme. Même longueur, inspiration et expiration.
Pause un peu plus long que d'habitude. Garde une respiration contrôlée. Mais contrôle d'avoir le corps complètement détendu. Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Garde la même longueur dans l'inspiration et l'expiration. Continue à augmenter la longueur des pauses. Jusqu'à arriver, peut-être aujourd'hui, peut-être un autre jour, à voir les quatre phases de ta respiration de la même longueur. Inspiration, expiration et pause. Les quatre de la même longueur. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur pour les quatre phases de la respiration. Si c'est un peu trop difficile pour aujourd'hui, garde tout simplement la même longueur pour inspiration et expiration, et les pauses plus longues que d'habitude. Sans forcer. Contrôlé mais confortable. À partir de la prochaine respiration, sans faire trop attention aux pauses, rend l'expiration plus longue de l'inspiration, sans compter la longueur, sans compter les secondes, rend tout simplement l'expiration plus longue de l'inspiration. Rend l'expiration plus lente. Et imagine qu'avec chaque expiration, ton corps puisse devenir de plus en plus lourd, de plus en plus détendu, et puisse se fondre avec le sol. Visualise ton corps se fondre avec le sol avec chaque expiration.
Laisse ton corps se détendre. Laisse aller toutes sortes de tensions. Tu te sens de plus en plus calme et détendu. Chaque partie de ton corps est calme et détendue. Aussi ton côté mental est calme et détendu. Tu te sens bien, tu te sens en paix. Tu es dans ton endroit de paix. Observe chaque élément de ton endroit de paix. Même les plus petits éléments qu'il y a autour de toi. Observe les couleurs de ton endroit de paix. Observe aussi la couleur la plus présente. Observe les bruits. Observe les parfums. Observe la température de ton endroit de paix. Observe chaque élément. En face de toi, il y a un chemin tout blanc. Tu te sens appelé à prendre ce chemin. Le chemin se déroule entre deux champs verts. Le ciel est bleu. L'endroit est juste magnifique. Autour de toi, il y a seulement des collines vertes. Qui te donnent une sensation de tranquillité, de calme, de bien-être. Tu continues à marcher le long de cet chemin blanc. Et tu vois que petit à petit, tu t'approches un pont. Un pont sur une petite rivière. Au milieu de ce pont, il y a quelqu'un.
Il y a une personne qui t'attend. Tu te sens bien, calme et détendu. Tu es dans ton endroit de paix et tu sais que dans ton endroit de paix, rien de négatif peut t'arriver. Tu te sens calme et bien. Tu continues à descendre ce chemin en direction de ce pont, lui aussi blanc. Et dès que tu arrives près de la rivière, tu observes cette personne qui est juste au milieu du pont. C'est quelqu'un qui est... Tu n'as pas l'impression d'avoir vu, mais en même temps, tu sens que tu le connais déjà. C'est une sensation assez bizarre. Tu n'arrives pas forcément à te rendre compte, de te rappeler où tu l'as vu, mais tu sens qu'il y a une connexion avec toi. Et te regarde gentiment. Et toi, tu t'approches encore plus. Tu te sens bien à côté de lui. Tu te sens protégé. Étonnamment, que tu es là, sans même pas parler avec lui, juste en connexion avec lui, tu as l'impression que le pont de blanc, il devient bleu. Même le chemin que tu as déjà parcouru change de couleur et devient bleu. Comme si autour de toi, il y avait une boule tout bleue. Tu regardes de nouveau. Cette personne au milieu du pont et tu te rends compte qu'elle n'est pas une personne normale. Elle est un ange avec des grands ailes blancs. Et te regarde gentiment dans les yeux. Et finalement, il te parle. Tu n'as pas l'impression de me connaître, mais on s'est déjà connu. J'étais à côté de toi. Plus ou moins toute ta vie. J'étais à côté de toi chaque fois que tu avais besoin de protection.
Peut-être tu m'as vu soit dans tes rêves, peut-être aussi dans quelques dessins. Je m'appelle Gabriel. Je suis l'archange Gabriel. Et je suis à côté de toi pour te protéger. C'est pour ça que maintenant, tu vois tout le monde à travers une boule bleue de protection. Chaque fois que tu as besoin de moi, c'est suffit de penser à moi, de m'appeler. C'est un plaisir pour moi. De venir te protéger, de venir créer de nouveau cette boule de protection. Ma boule te protège de toute sorte d'énergie négative. Et laisse rentrer seulement les positives. Tu peux aussi m'appeler. Chaque fois que tu es en connexion avec l'eau, chaque fois que tu es à côté d'une rivière, tout simplement à côté de l'eau, je suis à côté de toi, même si souvent je reste invisible. C'est juste là, dans ton endroit de paix, que j'ai décidé de me montrer. Mais sache que je suis toujours avec toi. Sois tout simplement en te regardant. Sois si tu as besoin de moi. N'hésite pas. Je suis prête à te donner ma boule de protection en tout moment. Tu te sens effectivement complètement protégée en ce moment. Tu sais que là, rien de négatif peut t'arriver. Mais maintenant, tu sais que tu pourras recréer la même sensation aussi en dehors de ton endroit de paix, chaque fois que tu en aurais besoin. Tu visualises maintenant
cette boule de protection, de cette bleue intense tout autour de toi. Et tu vois aussi la lumière qui dégage. L'archange. Et là aussi, la lumière est bleue. La même couleur de ta boule de protection. Tu te sens bien, calme, détendu et protégé. Protégé par toutes sortes d'énergies négatives qui peuvent s'approcher à toi. Tu as l'aide de cet archange qui a créé cette boule qui est pour toi, cette boule qui arrive à trier les énergies positives et négatives en te permettant d'aller partout et de te sentir bien et protégé dans chaque endroit du monde. Tu es en sécurité avec cette boule. Cette boule et fait partie de toi maintenant. Tu remercies l'archange et tu le laisses partir. Tu le laisses s'envoler. Et là, en restant dans cet endroit, tu te rends compte que tu arrives même à changer la transparence de cette boule. Tu arrives à la rendre plus dense. Quand tu as l'impression d'avoir plus besoin de protection, et en ce moment, cette boule te permet de regarder le monde avec cette bizarre filtre bleu, mais te permet aussi de te sentir complètement en sécurité. Quand tu veux, tu peux par contre rendre cette boule un peu plus transparente. Elle est toujours présente et te protège toujours. Mais tu peux voir le monde dans cette couleur naturelle. Cette boule de protection est à toi, est ton cadeau. Tu te sens bien, calme, détendu.
plein de gratitude. Pour cet ange qui t'a donné cet instrument pour parcourir ta vie en pleine sécurité. Utilise les derniers instants dans ton endroit de paix pour enregistrer toutes les informations. Et quand tu te sens prête, inspire profondément et expire en soupirant pour 3 fois. Avec chaque expiration, ramène très doucement la conscience dans ton corps. Quand tu veux, à ton propre rythme, ouvre très doucement les yeux et reviens dans le ici et maintenant.